Yep tout le monde les gens, Serge Gosse, donc j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, moi ça va super bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Advanced Warfare. Donc sur une petite map qui s'appelle, je crois, Terrasse. Donc en 6v6 en domination. Donc voilà, le gameplay je vous le présente directement. Ce sera une DNA avec 44 Gunstreak à la MK14. Des Gunstreak c'est 14 en fait. J'ai fait 14 kills de plus que la DNA. Donc ça fait 44 kills d'affilée. Donc ça s'appelle 44 GS, 44 Gunstreak. Pour voilà ceux qui n'y savent pas. Le sujet de commentary, il portera sur est-ce que on est obligé d'avoir une team performance, désolé les gars, pour pouvoir percer dans la performance, pour pouvoir percer sur YouTube. Donc pour moi, je vais répondre par oui, par non, par voilà. Donc je vais expliquer mon avis en tout cas sur ce sujet là. Je vais expliquer par quoi moi je suis passé pour en arriver là. Et donc voilà. Donc premièrement, moi au départ je faisais pas du tout de performance sur sur les Call of Duty et tout. Moi je m'amusais genre à faire un petit gameplay sympa, et puis si c'était la performance ou pas, je m'en foutais complètement. Moi ce qui comptait c'était mettre la vidéo sur YouTube avec un petit commentaire, avec un sujet, puis voilà. Tu vois, je m'y connaissais pas grand chose, et puis après j'ai commencé à faire des commentaires avec des sujets, voilà, bien structurés, etc. Donc après les gameplays c'était toujours les mêmes, c'est pas forcément de la perf ou pas de la perf. De toute façon je vous le dis, pour moi si je mettais une nucléaire ou un truc comme ça sur BO2 ou une KEM, c'était bien. Et puis après sur Ghost j'ai commencé un peu plus à me perfectionner, et puis là je me suis dit tiens, pourquoi pas chercher une team performance. Donc au départ moi j'ai commencé avec la team for the win, la FTW. Donc elle avait au départ 500 abonnés. Et donc j'avais commencé là-dedans, et puis ça m'amusait un peu de sortir des gameplays perfs pour la team et tout. On était l'ensemble, tu vois, de sortir les meilleurs gameplays de perf de France, etc. On avait des petits défis comme ça, un peu de concurrence, c'était vraiment sympa. Et puis au fur et à mesure j'ai commencé à monter, j'étais monté de leader. Et après être leader, on a encore commencé à monter plus, on avait gagné les 700 abonnés, enfin on les avait atteints. Et après être leader, je suis passé OP en membre tout début de la OP, voilà, j'ai tenu 2-3 jours dans la OP. Pourquoi? Parce que après je faisais mon terrage direct, j'ai même pas sorti un gameplay dans la OP. Et donc voilà, donc une fois que dans la rage, je me suis dit, maintenant je suis au summum de la paire française, et puis de toute façon j'irai pas plus loin parce que les Américains c'est non concurrent, et d'ailleurs tout performeur français on doit se soutenir et lutter contre eux en tant que concurrence. On est une seule nation contre tous les pays anglophones, parce que les Américains ils regroupent un peu tous les pays anglophones. Donc voilà, donc pour la petite histoire déjà, en quoi ou pourquoi je suis arrivé déjà dans une team performance. Après, imaginez si je serais pas arrivé dans une team performance, est-ce que j'aurais réussi à avoir autant d'abonnés, à avoir percé autant que ça sur YouTube en performance? Et ben moi ma réponse, je dis que non, bien sûr que non. Si j'en suis là déjà avec les 2000 abonnés et autant de performances sur ma chaîne, c'est bien grâce à la rage et à toutes les autres chaînes performance où j'ai été. Tout d'abord parce que le fait d'être dans une team performance, si vous voulez, vous évoluez avec des collègues, des membres de la team, pareil, qui font de la performance comme vous. Vous vous entraidez, vous faites plein de choses ensemble. Vous avez des GFX pour vous, des DFX pour vous, voilà. Vous faites des miniatures entre membres, voilà. Vous entraidez, voilà. Et ça aide vraiment beaucoup. C'est surtout qu'après votre gameplay passe sur la chaîne, et puis ça vous rapporte des abonnés, des vues, etc. Et ça vous aide à vous faire beaucoup plus connaître. Donc pour moi oui, ça aide vraiment beaucoup. Si j'aurais pas eu tout ça, j'en serais sûrement pas là. J'aurais peut-être performé peut-être 100, je sais pas. Mais à ce moment là, si vous voulez vraiment réussir sans avoir de chaîne performance, sans avoir de team performance pour évoluer, je vous oblige limite à avoir des gros mais vraiment énormes gameplay, c'est-à-dire des world records, des trucs jamais faits, des trucs de fou. Même si c'est pas des world records, des trucs de fou les gars, vraiment des... Voilà, faut que ce soit nickel, faut que ce soit magnifique, faut que vos chaînes, vous arrivez à la gérer tout seul sans que vous êtes dead pour les miniatures, pour voilà tout ce qui est commentary et tout, si vous voulez faire un petit double une fois, tu vois, pour que genre ça passe sur sa chaîne, une fois sur la tienne, ça fait un petit coup de pub, etc. Donc voilà, c'est franchement, je vous conseille vraiment d'avoir une chaîne performance, que ce soit une petite pour commencer et que après vous évoluerez. Bien sûr, toi, on a tous commencé par une petite, on n'est pas directement allé dans la nœud urage, à part si vous êtes un des fondateurs. Donc voilà, je pense que de toute façon tout le monde sera d'accord avec moi
sur ce sujet de commentaire. Donc je pense que c'était bien que ce soit moi, un performeur de la rage, qui fasse ce commentaire là, que ce soit un autre ou un performeur ou un truc comme ça, ou que ce soit pas un performeur. Moi je pense que j'ai une bonne expérience, et puis voilà. D'ailleurs, en parlant d'expérience, c'est pour ça aussi que vous êtes, quand vous êtes dans une team performance avec des collègues et tout, ça vous apporte plein de performances, parce que quand vous vous entraidez, après vous explique comment on fait, et puis voilà, après c'est vous qui savez faire, et voilà. Donc, excusez-moi d'ailleurs pour le voilà, c'est oublié et tout déjà, que je fais souvent en fin de phrase dans mes commentaires, c'est vraiment une façon de parler, je m'excuse pour ça. Donc voilà pour ce commentaire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez partagé, commenté, liké. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube pour la semaine des NA Bombes. Et donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, j'en sais rien à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. En tout cas, c'était Ghost Killer, c'était Rage Ghost, allez, peace. Streets, we take what is needed.